4 avec les légendes du rock allemand. 46 ans de carrière, 75 millions d'albums vendus. Et puis, je crois bien, plus d'un milliard de roulages de pelles sur le tube. Still Loving You. Ce soir, dans le grand journal, les Scorpions ont décidé de faire un dernier album, un album de reprise. Ça s'appelle Come Black. Et pour nous, ils chantent le tube, le classique, Still Loving You. Bonsoir. Voilà, Scorpion, Still Loving You.
84, Klaus Meine, chanteur, Rudolf Schenker, fondateur du groupe, compositeur. Vous avez dragué sur cette chanson. Une, je me souviens très bien qui c'est. C'est vrai? Oui, mais je la citerai pas, je la dénoncerai pas. C'est vrai? Ça marche? Non, je suis tombé amoureux sur cette chanson. Je crois même que je pourrais tomber amoureux de toi sur cette chanson tellement c'est vrai, c'est bon, tellement c'est sexe. Tellement c'est bien. Vous savez qu'il y a eu un baby boom, vous le savez peut-être, certainement, qu'il y a eu un baby boom en France en 1985 à cause de cette chanson, grâce à cette chanson. Oh yes, yes. And recently, oui, oui, pareil, dans recently, le monde. Récemment, j'ai fait une interview. Et avec un français, il m'a dit « Oh là là, cette chanson, ça veut dire tant de choses pour moi, personnellement. » Et je lui ai dit « Bon, est-ce que vous pensez que c'est à... Toi, t'es quelqu'un qui est responsable de l'augmentation de la population de la France. » Ah, c'est ça, c'est à cause de vous, grâce à vous, qu'on est 7 milliards sur Terre aujourd'hui. I think it's a wonderful thing. Je crois que c'est formidable, c'est une chose merveilleuse, when people, lorsque you know, les gens, making love vous savez, to a beautiful font l'amour song, you know, and, sur une belle chanson. I think it's the most Moi, je pense que c'est la chose la plus belle du monde, de créer des ponts, des passerelles entre les gens, pour que les gens puissent atteindre, et évidemment pour la nouvelle génération. Elle aussi, quand on joue ça en France, quand on joue ça dans le monde entier, c'est pareil, on atteint les nouvelles générations avec notre musique. Pardon, est-ce qu'après 46 ans, c'est toujours l'amour, still loving you, entre vous? Pourquoi vous vous arrêtez? Parce qu'on est de nouveau au sommet. D'une façon ou d'une autre, les années 80 sont revenues. Notre album marche très bien. Et maintenant, on a constaté qu'on est toujours en France, qu'on est toujours en forme, qu'on peut sauter, qu'on peut donner un beau spectacle, faire un bon concert. Et donc, pour faire cela, on va faire une bonne fête, puis partir, au lieu d'attendre que les gens nous disent. Il y a 200 dates en tout, dont le 23 novembre à Bercy, le 14 novembre à Lyon, le 16 novembre à Toulon, et vous serez à Munich, et ça se terminera à Munich le 13 octobre 2012, Munich qui est votre ville où le groupe s'est formé.